Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un poulet rôti aux petits pois carottes. Alors pour cette recette ici, vous avez un poulet rôti, je mettrai une cuillère à soupe d'huile. Là je prends une grosse boîte de petits pois carottes, vous pouvez en mettre plus, ça dépend de vos mangeurs. Je vais mettre un petit peu de curry, un petit bouillon avec 50 ml de blanc et 50 ml d'eau et un cube de bouillon de bœuf émietté, et puis le sel et le poivre selon votre convenance. Et bien c'est parti pour notre recette. Je verse l'huile dans la cuve du Cookeo, je prends un petit pinceau, je répartis mon huile, je dépose mon poulet et je vais programmer ma cuisson. Vous installez bien sûr votre couvercle, l'extra crisp, vous le branchez, l'huile Cookeo est éteint électriquement, donc on appuie sur le petit timer là, on va sélectionner 200 degrés, on va appuyer sur le timer, et là je vais mettre 50 minutes de cuisson, donc on fait un appui prolongé hein, sur le plus. Et ensuite, je vais appuyer sur Start. Je suis à 30 minutes de cuisson. Et bien, je vais retourner mon poulet. Je replace mon couvercle. Je vais appuyer sur Start et puis je vais faire cuire 10 minutes sur ce côté-là. Il reste 20 minutes de cuisson, je vais retourner à nouveau mon poulet. Je replace mon couvercle. Et on appuie sur Start pour poursuivre la cuisson. Je vais maintenant ajouter mes petits pois carottes que j'ai égouttés. Je vais ajouter maintenant mon bouillon. 50 ml de vin blanc, 50 ml d'eau et un cube de bouillon de bœuf émietté. Je vais mettre un petit peu de curry. Je vais mettre un petit peu de sel. On rectifie l'assaisonnement au moment de déguster. Allez, pour ceux qui aiment le poivre, on met un petit peu de poivre. Et maintenant, on va reprogrammer une petite cuisson. Je vais reprogrammer 200 degrés. Je appuie sur le timer et là, je vais mettre 5 minutes. Et je fais Start. Et bien voilà, la cuisson est terminée. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.